Pierre Palmade est en froid avec une bonne partie de ses proches. S'il peut toujours compter sur le soutien sans faille de sa sœur cadette Hélène, si est-il plus compliqué avec sa mère ou encore Claire, sa plus jeune sœur. Il y a quelques années, celle-ci avait pris une décision radicale. Depuis le drame qu'il a provoqué, Pierre Palmade se retrouve de plus en plus isolé. Si Muriel Robin a accouru à son chevet juste après son grave accident, le 10 février, elle a très vite pris ses distances en découvrant qu'il en était le seul responsable en ayant pris le volant sous l'emprise de la cocaïne. Un geste impardonnable pour la femme d'Anne Le Nain qui a pourtant été toujours très proche de l'humoriste. Désormais en détention provisoire à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où il est soigné après son AVC, le comédien ne peut notamment plus que compter sur Hélène, sa sœur cadette, qui l'épaule. Si est-il cette dernière qui a rédigé le communiqué de presse pour dévoiler les premiers mots de son aîné et assurer que celui-ci avait honte et demandait pardon. Un soutien de taille pour celui qui a reconnu être dangereux en raison de ses nombreuses addictions. Pierre Palmade en froid avec Claire, sa plus jeune sœur interrogée par la police, la sœur de Pierre Palmade avait également révélé que son frère était lourdement endetté et qu'il vivait en dehors de toute réalité financière et qu'il avait des dettes notamment auprès de l'URSSAF, des impôts et de son producteur. Estimée à 250 000 euros. Elle avait aussi dévoilé qu'elle voulait le placer sous tutelle pour le protéger mais celui-ci a radicalement refusé. Pas de quoi faire baisser les bras d'Hélène, toujours là pour lui, à la plus grande incompréhension du reste de la famille. Comme le rapporte Public, Claire, la plus jeune sœur, et Réanne, la mère de l'humoriste, serait en froid avec elle en raison de ce soutien qu'elle ne comprenne pas. Alors que les relations ont toujours été compliquées avec sa maman, Pierre Palmade avait cependant pu compter durant un temps sur l'aide de sa sœur Claire. Selon Public, avant que Pierre Palmade ne devienne propriétaire de sa grande demeure à Célie-en-Bière, en Seine-et-Marne, il avait logé chez Claire. L'artiste peintre est cependant rapidement tombé de haut car la vie avec son frère a été un cauchemar, entre ses addictions et ses dettes. Même si elle a tout fait pour que celui qu'elle aime tant se fasse soigner, elle a dû prendre une décision radicale. Le magazine explique qu'elle aurait fini par le virer de chez elle. Malgré la distance désormais entre eux, Public révèle que Claire a rendu tout de même visite au comédien à l'hôpital.